Oui Stéphane, les bonnes 73 à côté à toi. Rémi, 73 Rémi, les bons chiffres à toi, opérateur Stéphane sur 13. Je salue bien, je viens sur la fréquence. Ah, excuse-moi, j'ai la voix cassée, j'ai chopé la crème, mais c'est pas grave. C'est une question d'habitude, ce balade en scooter le matin, on chope du chaud, du froid. Tu vois ce que je veux dire, voilà, les bons chiffres à toi. Tu m'étonnes, moi c'est pareil. Hein. La semaine, là je suis constamment dehors et tout. Avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est pas triste. Ah, chie. Ah, ok, je crois que c'est. Je crois que c'est Philippe qui a repris. Les bons chiffres, je crois que c'est l'opérateur Philippe, je suis pas sûr. Ouais, on est tous pareil, hein, et le temps pour l'entrement, c'est la saison, hein. C'est la saison qui veut ça, chaud, froid, on rentre du. On est dans le chaud, on va dans le froid, dans le froid, on va dans le chaud, et voilà, on chauffe la crème, mais c'est pas grave, faut finir avec. Alors, ok, c'est pas qui dit, je crois que c'est l'opérateur Philippe qui est arrivé, il y a Rémi et moi-même en QSO. C'est Philippe, retour. Ouais, je pense après Stéphane, Rémi, Rémi, ça passe dans ta vie, Rémi, je pense qu'il t'entend. Rémi, par rapport au, je sais pas, sur le web SR, je pense que t'entends peut-être Philippe, t'envoies le micro, Rémi. Les 73 Philippe, et bien sur le web SDR, c'est très compliqué. Là, si tu vas dessus, tu verras, là, une large bande claire. Où il doit y avoir un gros QRM là qui couvre bien les deux tiers du 27 mégas dessus. Hein. Et moi au QRH, ça crépite. Là j'ai des QRM électriques qui me donnent des pointes par moment, là, des coups de flash là, par moment à 5-6 points là, dessus. Hein. Alors c'est très compliqué ça. D'ailleurs, c'est pas compliqué, Stéphane, t'aurais pas été là, que de toute façon, j'aurais pas pu faire le QSO, j'aurais entendu personne de mon côté. Hein. Bah, t'inquiète pas, j'ai la même chose à la maison, parce que moi aussi, moi en général, quand je suis en fixe, comme ça, sur le canal 27, dimanche soir, samedi soir, dimanche soir, j'y allume pas, mais là, c'est vrai, ce soir, j'ai allumé pour voir qu'il y avait du monde, et j'ai le même problème que toi, hein. J'ai le même phénomène, t'inquiète pas. Tu vois, je me reconnecte à la fin, voilà. Ça fait une espèce de barre, ouais. Ça fait une barre qui part du, je vous dis, 26-700, ouais. Quand je pars, on voit la trace que je fais moi. Et il y a du monde, 500, ouais, je sais, 530, il y a du monde. Ah, la barre, elle part en direct. Je relâche le micro, on dirait que je prendrai un petit peu, on verra bien. Ouais, c'est ça, en gros, ça tourne aux environs du 26-700 jusqu'à 27-800 et des boîtes. Ah, tiens, c'est en train de se calmer. Hein. Eh ben, pas du côté des QRA, en tout cas, là, ça crépite toujours autant. Hachi. Alors peut-être ce coup-ci, j'arriverai à mieux entendre Philippe. Ouais, vas-y Philippe, Rémi peut t'entendre. Rémi, j'arrive à t'entendre avec le WebSDR. Voilà, les bons chiffres à toi, Rémi. Pas Rémi, oh putain, je suis pas Rémi. Philippe, autant pour moi. Les bons chiffres à Philippe, je te renvoie le micro. Ok Rémi, si tu m'entendais le WebSDR, les 73 et voilà. Ah, sur la tête, l'autre côté, j'ai réussi à t'entendre. Les 73 retournés, Philippe. De ton côté, Philippe, tu entends pas Rémi? Non, c'est pour ça que je vais voir pour mettre le web SDR. Ouais, c'est l'inconvénient, quoi. On s'entend pas tous, un peu, c'est pratique quand on n'entend pas les OM, si tu veux, c'est comme ça. Hein. Je sais que Angèle, c'est pareil, parce que Angèle, il est en bas de la côte, il n'entend pas Rémi non plus, il se sert de ça aussi pour faire pareil. Hein. Peut-être que M. Ludo va venir, à moins que les pizzas. Ah, il s'est fait livrer les pizzas, Ludo. Il n'est pas là ce soir. Ah, je sais pas, hein. Je dis ça comme ça, hein. Mais bon, à mon avis, ça va être ça. Hein. Au fait, j'ai toujours pas de nouvelles d'annulation là, de Radio Broc. Donc, c'est bon signe, il doit se faire. Hein. Bah, je t'avouerai que je suis comme toi. Moi, je regarde tous les jours un peu sur Facebook. Ce que tu mets toi, ce que tu affiches toi, je regarde un peu à gauche et à droite comme tout le monde. Hein. J'ai rien vu de spécial, tant mieux. C'est...
Ouais, bon, alors, je ne pense pas qu'il y aura 5000 personnes, hein, parce que le gouvernement, c'est à 5000 personnes pour l'instant. C'est vrai que ça va passer en 3, c'est prévu, je pense, la semaine prochaine. On verra bien, on va attendre, on croise les doigts, comme on dit. Hein. Ouais, voilà, je viens d'arriver sur leur site. Ouais, suivant les endroits, c'est 5000 personnes. Donc, si c'est 4500, c'est bon, ça passe. Hachi. Et là, il y a un département, je ne sais plus lequel, où c'est maximum 50 personnes. Donc, s'ils sont 45, c'est bon, ils risquent rien. Ouais, mais bon, 4500 personnes à Radio Brock, ça serait bien. Hein. Ben, ça, pour l'organisation, ça serait super. Hein. Bon, même 4000, c'est pas super. Ouais. Alors pour les visiteurs, oui, ça serait super. Mais pour les brocanteurs, justement, quand t'as trop de monde comme ça, ben pour le coup, personne n'achète. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est un peu compliqué. Déjà que les années ne sont pas là. C'est vrai que cette année, hein, c'est vrai qu'ils ont changé d'emplacement. Je m'en crois que je connais depuis des années, Puis j'ai arrêté pendant pas mal d'années la radio. Ça fait 2-3 ans que j'y vais, enfin, au moins 2 ans. C'est pas là dans les années. C'est convivial, dirons-nous. Mais bon, là, vu que ça va être plus grand, il reste d'avoir plus de place. On verra bien, on verra si ça se fait ou pas. Voilà, retour Philippe, si t'es encore là, mais voilà, avec les bons chiffres, je sais pas si t'as entendu cette semaine, si t'as fait des contacts. Moi, je t'ai entendu à la radio, Philippe, je sais plus comment, je me rappelle plus trop exactement. Voilà, retour Philippe. Ok, Stéphane, y'a pas de soucis. Mais Rémi, je l'entends à peine avec le WebSDR. Attends, j'ai envoyé le micro à Rémi. Rémi, refaire passer un passage pour que dans le web SDR tu passes mieux, ok? Philippe, tu pourras plus t'entendre. Ok, ouais, ben, j'ai entendu là, ce qu'il a dit, là qu'il m'entend à peine. Donc, Radio Brock, ben, jusqu'à présent, il se déroulera le 14 mars 2020 à la nouvelle adresse, salle de spectacle du Bouzé. Complexe du Bouzé, 6 chemin de Canéjean, 33 610, Cessat. Voilà, comme ça, ben, j'ai écouté un petit peu la fréquence, de façon, là, est-ce que tu m'as entendu, là, Philippe? Affirmatif, ça se connaît très bien, c'est la grande salle verte du Bouzé. Ok, il m'a entendu. Ah bah super, c'est bien. Au moins, la formation est passée. Avant, j'étais de là-bas. Je... T'as une coupure, Philippe. Reviens, passage. Oui, je disais, avant, j'étais de là-bas, de cette salle. On se connaît. Ah bah tu m'étonnes. Ah bah oui, j'étais là-bas, t'habitais avant dans le secteur avant, c'est pour ça. Ouais, j'habitais à 2 km de la salle du Bouzé. Ah bah impeccable. Impeccable. Bon, on a peut-être l'occasion de se croiser. Hein, de se serrer la main, je sais pas, parce qu'avec tout ce qui se passe. Oui, encore. Se serrer la main, oui, oui. On n'est pas obligé de se serrer la main, on peut dire bonjour et on voit avoir les convivialités, comme on dit. Affirmatif, j'ai pas de soucis. Bon, sur ce, messieurs, moi je vous laisse, je passe à QRT parce que la santé ne permet pas de rester trop longtemps debout. Ah, t'as toujours à ton pied, toujours le pied, pareil? Non, c'est pas le pied, mais c'est au niveau des reins qui... Ouais, t'as des problèmes avec tes reins, ouais. Comme on dit, hein, soignez-toi, hein. Fais attention à toi, prends soin de toi. Ok, y'a pas de soucis, les amitiés à Rémi, et puis au plaisir. Je crois qu'il y a eu un break derrière. Ok Philippe, les bottes sont prêtes, en avant le break. Ouais, le break en avant pour le QSO national, on vous écoute, 73. Ouais, c'est pas, il y en a qui sont tombés. Hein. Et on leur fait peur peut-être, hein. Alors, pourtant on n'est pas des gens méchants. Hein. À tout hasard. Est-ce qu'il y aurait... Ah, j'ai entendu quelqu'un là. Est-ce que à tout hasard, il n'y aurait pas quelqu'un, une station du côté de Satellite Cuzac, là, sur le QSO? On ne sait jamais. Par contre, là, j'ai entendu quelqu'un, là, en reprenant le micro, oui. Oui, la station, bonsoir, en avant. Oh, Ludo, tu vas bien? C'est Ludo, je me trompe. Je suis un peu décalé, désolé, j'essaie de caler un peu dans ma zone, mais c'est pas facile. 73 FM, ça va? Oui, j'ai reconnu le décalage avec le,
Je pense que tu es avec le Clinton. Ah, moi, je me trompe, mais il marche bien, ce pote. Garde-le, ça mange pas de pain, comme on dit. C'est pas grave, on va s'organiser, on arrive à s'entendre. Je renvoie le micro sur Rémi. Rémi, retour, il y a Hugo. Alors, le gag, c'est qu'il passe pas du tout au QRA, je l'écoute avec le WebSDR. Et bon, sur le WebSDR, ça, bon, ça arrive à être correct, mais bon, sans plus. Si le micro il marche bien, hein. Mais puisque là sur le web SDR, là on voit bien que tu satures un petit peu la bande par la proximité. Donc quoique, bah vas-y. Ok, ça marche. Ah, le Roger Bip est passé au QRA, mais c'est tout. Hein. Autrement, oui, je t'écoute par le WebSDR. Et justement, à propos du matériel, le poste CB que tu as vu, éclairage bleu, ça fait bien 10-11 ans que je l'ai celui-là. Hein. Ah ouais? Ah bah merde, je crois que tu venais de l'acheter, quoi. Il est beau ce poste. Tu me diras à mes fins personnels, c'est que c'est la grande mode depuis que j'ai appris la radio. Moi, ça fait à peine 2 ans que j'ai appris la radio. C'est la grande mode de mettre des LED bleus comme ça. J'ai vu des gens même qui avaient des Galaxy Saturn aussi, pareil, qui mettaient des LED bleus à l'intérieur. C'est joli, je dis pas le contraire. Bon, faut pas en mettre trop non plus. Mais toi, ça va plus. Alors, je crois qu'il avait acheté il y a pas longtemps, c'est pour ça que je suis ici, moi. C'est X avec une nouvelle acquisition. Je crois qu'il y avait pas longtemps qu'il avait acheté. Non, c'est sympa. C'est joli. Mais après, bon, c'est... Moi, je pense que c'est côté routier, tu vois. J'ai des potes routiers, hein, je m'en plains pas, c'est des super potes, hein. C'est assez joli, c'est vrai, mais faut pas en mettre trop. Si on en met trop, après, ça fait un peu trop... tu vois ce que je veux dire, hein, tu m'as compris. Oui, comme certains partages que je fais, là, sur le groupe. Ouais, hop là, putain, la vache. Ludovic, c'est toi qui... Attends, je suis en train de regarder sur le web SDR. Il y a quelqu'un sur le 40. Ah ben ça, c'est Ludovic. Non, sur le 30, je veux dire. Oui. Alors, ah, il y a quelqu'un qui parle. Ok. Ouais, il y a Ludo qui doit faire des réglages. Il y a Ludo qui est parti, c'est pas la fréquence, parce que moi, ça m'a vu mon bleu, c'est pareil. Il doit faire des réglages, je pense. Ouais, il est sur le 30.
Hachi, l'éclairage du poste, hein, c'est son éclairage d'origine. Hein. C'est, si tu veux faire une petite recherche, c'est le Superstar 3009 EL. C'est le dernier qui avait été fait à l'époque là, dans toute la série des 3009. Et ouais, ça fait bien 10-11 ans là, qu'ils ont arrêté. Et ouais, ce modèle-là, ça a été le dernier qui a été fait. Non, c'est le Superstar 3009 Ecolima. Voilà, j'ai bien vu que là c'est mal passé apparemment. Voilà, c'est le Superstar 3009 Ecolima. C'est c'est un mélange du chrome et du black. Puisque celui-ci est avec une plaque de façade noire brillant. Tu m'étonnes. Et après, à côté de ça, tu as les versions CRT, tu as la version d'Irlande. Je ne sais plus s'il y a aussi. C'est aussi. Je ne sais plus. Je vais aller voir la vite fait là, sur le forum. Il est sorti sur pas mal de versions. Hein. Toujours avec le nom Superstar, je veux dire, mais oui, il est sur pas mal de versions. Hein. Un peu. Thank you.
Ok, alors j'ai pendant que je t'écoutais sur le web SDR, j'ai tendu l'autre oreille sur le poste. Alors c'est dans les moments où le QRM descendait à zéro, eh bien c'est Santiago 0 et la radio tout juste 1 et encore. Ouais, la radio elle accroche. La radio elle accroche, c'est pas ce qu'il y a au fond de. C'est la plus haute, la modulation des fois quand t'as sifflé, là, t'as fait un sifflement, t'avais. Et après, juste après, t'as parlé en modulation, c'était à peu près correct. C'est pas, il y a un truc qui accroche dans la modulation. Heureusement que tu m'arrives à un bon 7 à 6 à toi. Parce que là, tu verras sur la vidéo, là, par moment, là, j'ai des pointes, j'ai des montées de cuir, hein, comme ça, tac, ça monte bien jusqu'à 5, un peu au-dessus de 5, puis paf, ça redescend, puis hop, ça remonte, ça joue yo-yo. Ouais, mais j'avais baissé la puissance. J'avais baissé la puissance parce que Ludo est à côté. Ludo est à côté, donc on peut la tronche, j'imagine. Moi, j'ai fait la puissance des décamétriques, hein. Je pense que c'est à peu près la même puissance que moi. Et encore, toi, ton DK est beaucoup plus récent que le mien. Moi, mon vieux coucou, il a bien des heures de vol, il doit en avoir un paquet, je ne comprends pas. Mais il marche pas trop mal, ça marche, je m'en plains pas. Je compte bien faire réviser, je ne sais pas quand, mais bon, on verra. Pour le... Ce qui m'emmerde, c'est qu'il emmène un desktop. Il va faire très bien son travail, mais je serai comme un con, j'ai la plus de potes. Vu que le Shogun est en rade, je vais récupérer un Shogun qui est en dessous de l'étagère là, et qui est en panne, et ça m'emmerde de l'emmener à quelqu'un parce que j'aurai plus de potes. Et si je reste une semaine sans potes, ça va faire du mal. Donc, en moi-même, quand je rentre du boulot, je pourrais plus allumer un poste et ça m'emmerde. Là, tu vois ce que je veux dire? Complètement, puisque j'ai le poste, moi, qui est dans le séjour, et autrement dit, il est allumé toute la journée. Tu m'étonnes. Et, ah, ok, il est de retour. Vas-y, Ludo. Alors là, c'est incompréhensible. Je sais pas ce que t'as fait, mais c'est incompréhensible. Putain, mais il a fumé une pizza. Ouais, là, ça va. Au dernier passage, ça allait. Mais c'est pas ce que t'as fait, c'était... On comprenait rien. Vas-y, refais un passage.
Ah là, franchement, vous n'avez pas peur, pour moi, c'est clair et net, hein. Ça va, c'est comme ici. Ouais, jusque... Ouais, monte pas plus haut, hein. Par contre, monte pas plus haut, parce que c'est à l'issue de cette journée, là. C'est, tout à l'heure, c'était bon, c'était correct, niveau radio, radio de 5, léger, très très léger accrochage. Vous n'avez pas peur, c'était comme ici, quoi. J'envoie un micro sur la musique, tu t'entends. Ben, je l'écoute via le web SDR. Il a pas assez de puissance là pour que je puisse l'entendre. C'est vrai que là, au niveau radio, là, ça va mieux. Là, au moins, c'est de mon côté, ce serait bon. Là, bon, évidemment, il est tout près de l'antenne là, du web SDR, mais je l'entends mieux que tout à l'heure. Alors, puisque tu parlais du calage en fréquence là, du web SDR, alors là où j'écoute bien, c'est par exemple là en étant ici, c'est en mettant le web SDR sur le 27.275.150. Voilà, c'est là sur. Ouais, c'est ça. Donc il aurait 150, 100, 130, 150 Hz de décalage au-dessus. Je l'ai mis à 100, mais c'est vrai que ça me faisait une petite baisse.
franchement. Attends, excuse-moi, je me ferme avec le bouton. Franchement, le Clinton, je pense que t'es avec le Clinton, t'as bien trouvé la fréquence, ne bouge pas. Moi, je te dis franchement, mon décamétrique, il est calé aussi. Hein. Moi, je suis actuellement 27274.9. Hein. Parce que j'ai Christian de Bordeaux qui est beaucoup plus calé que moi. Il m'a dit, il ne l'a pas dit, mais il m'a fait comprendre. Est-ce que tu peux? Ah oui, bon, moi, je le crois, lui. Même Robert et des OM de Bordeaux m'ont dit, t'es un petit peu décalé parce que mon déca, il est comme moi, il est vieux, voilà. Il est fatigué, bébert. Non, mais le web SDR, franchement, les gens qui critiquent, et les critiques, on aura toujours, c'est pas toi que je vais l'apprendre. C'est pas des jaloux, c'est des gens qui sont pointilleux. Voilà, il y a des gens pointilleux sur la fréquence. Et oui, bon bah oui, on n'est pas pile poil, on est pas sur les bandes radioamateurs. On est sur les bandes suivies, et franchement, sans vouloir te caresser au sens du poil, c'est très utile ton truc. Voilà, web SDR est très utile. Moi je le sais parce que j'ai des copains sur mon beau-père qui est sur le Tarn, sur le 81. Il m'écoute des fois sur le web SDR, il m'envoie un texto, j'ai entendu sur le web SDR, j'ai des potes du nord de France qui m'entendent. Même des potes, c'est pas des potes obligatoirement, c'est des gens que je contacte en radio via le peu de contact que je suis en DX sur le Brésil ou voilà, il parle pas trop français ou pas, le président des Papa Alpha Tanko, José, il écoute aussi sur le web SDR. Mais quand tu vas sur la page des web SDR, il n'y en a pas beaucoup en français. Voilà. Je te dis ça parce que moi je le vois, hein, j'étais voir sur le web SDR la fois. Il y en a sur la Belgique, sur la Suisse, mais c'est pas sur les 27 mégas, sur les 14 mégas, 3 mégas, 7 mégas, 14 mégas, mais pas sur le 27 mégas. Donc voilà, donc ce que tu as fait, c'est les gens n'auront pas le courage de te le dire. Oui, on n'est pas pour se lécher le cul, et encore, je suis grossier, mais c'est la vérité, il n'y en a pas sur le 27 mégas, il n'y en a pas très peu en France. Il n'y en a pas, quasiment, moi j'en ai regardé sur internet, il n'y en a pas beaucoup en France, donc voilà, tout à fait, c'est utile au moins. Ça part en bien ou ça part en mal, mais moi je pense que personnellement, ça vaut un bon point. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et encore, moi j'ai rien à te demander à toi, ok Ludo? Oui, il n'y a pas de souci, hein. Moi de toute façon, je mets à disposition, je suis content de le faire. J'ai reçu quelques aides aussi pour le faire, hein. Que ce soit en matériel ou en même aide à l'installation, hein, pour passer du câble, des trucs comme ça. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, vraiment. C'est pas complètement une œuvre collective, mais je suis pas non plus tout seul. Hein, voilà. Chacun y fait sa petite contribution. Hein, je sais que la GP27, c'est Eric qui l'a donné. Rémi m'a filé un bout de main aussi pour remonter l'antenne de mètre. Il m'a donné un coup de main aussi pour tirer le câble. Eric aussi m'a aidé pour tirer le câble sur une autre partie du parcours. Il y a Christian, je crois, qui m'a filé quelques petites bricoles bon, qui ne sont pas vraiment directement liées au web SDR, mais voilà. J'ai reçu aussi Anne qui m'a envoyé gratos une alimentation. Celle du PC serveur avec Ravé, donc c'est vraiment sympa. Il y a effectivement des gens qui critiquent, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent et puis qui m'ont proposé soit de l'aide ou soit envoyé quelques un peu de matériel, tout ça. Donc même Rémi m'a filé aussi un PC bon, qui malheureusement n'est pas assez puissant pour faire le boulot, mais voilà, donc c'est bien. C'est pour ça que c'est une œuvre collective, parce que chacun y a apporté un peu son truc. C'est vrai, je suis un peu déçu, moi, qu'il n'y ait pas de prise de web SDR comme ça sur 27 mégas en France. Je sais qu'il y a... Je suis pas le seul gars qui fait de la radio et qui sait faire un peu d'informatique. Donc je suis étonné quand même qu'il n'y en ait pas d'autres qui essayent de le faire. Il y en avait un à l'époque dans le sud, là je sais plus vers où, il me revient vers Carcassonne, vers Montpellier, je crois que c'est Montpellier, mais tu me diras ça Rémi, je crois que c'est sur Montpellier qu'il y avait un WDR, mais qui était un tout petit serveur, donc ça permettait pas d'accueillir beaucoup de personnes en écoute en même temps. Et puis de ce fait, hein, sur le 27 mégas en tout cas, sur 27 mégas, il n'y a que le mien qui tourne quasiment sans discontinuer depuis plus de 2 ans, hein, bientôt plus de 3 ans, enfin, je sais plus. Rémi, si tu te souviens à quelle époque on avait fait la première vidéo. Je me souviens plus de temps, mais c'est le premier WebSDR qui, enfin le WebSDR
les gars, c'est enfin, qui sont depuis, depuis aussi longtemps, et sans rien, donc on a aussi peut-être des coupures avec des problèmes techniques, problèmes de coupure internet, des trucs comme ça, mais bon, à part ça, le service, il tourne, mais bon, voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus. Peut-être plus tard, ça va peut-être susciter des vocations, ce QSO. Pour ceux qui sont en écoute, si vous voulez, allez-y. Après, je lâche le micro, mais j'ai eu quelques amis qui m'avaient demandé des conseils un petit peu par mail. Si vous voulez se lancer un petit peu, j'avais attendu, mais apparemment, il n'y a pas eu de suite. Hein, donc voilà. Le truc qui est chiant, c'est que j'ai pas le droit de distribuer le logiciel. Il faut forcément que l'auteur l'envoie lui-même. En tout cas, ce sont ses conditions à lui. C'est lui qui dicte les règles. Donc malheureusement, je peux pas fournir de logiciel à des gens qui voudraient monter à WebSDR. Ça faciliterait le boulot. Voilà. Donc je suis obligé de l'installer moi-même et de gérer entre guillemets moi-même le serveur. C'est un peu ce qui se passe avec le WebSDR de Fredo, là, qui a du côté de Villeneuve. C'est moi qui l'ai installé, je l'aide à l'administrer. Bon, maintenant il se débrouille comme un grand, hein, mais voilà. Entre guillemets, il est quelque part, du point de vue de l'auteur du logiciel, sous ma responsabilité, même si maintenant c'est Fredo qui gère complètement. Voilà, je reprends ce micro. J'écoute aussi sur les banderas, j'écoute hein, comme tout le monde, vu que c'est disponible. Moi, je sais pas, je m'intéresse pas. Hein. J'ai pas trop de temps, hein. Je suis comme tout le monde, je suis comme Rémi, comme toi, je bosse. Ah, voilà, donc non, je vais toujours regarder sur WebSDR. Il y en a qui m'intéressent, j'ai vu, mais j'ai pas tout regardé. Hein. Et après, je me suis connecté sur un WebSDR sur l'Italie. Bon, bien sûr, il parle italien, c'est logique. J'ai vu qu'il y en a quelques-uns, mais après, ouais, Fredo, ouais, j'ai vu que Fredo avait mis un truc dispo sur le 145 mégas, là, sur les relais de la pierre Saint-Martin. Moi, j'écoute comme tout le monde, je suis équipé à la maison aussi pour écouter, mais je n'y mets pas dessus, bien sûr, parce que j'ai pas le droit, c'est tout à fait logique. La licence, c'est pas fait pour les chiens, mais j'écoute via le WebSDR, mais bon. Peut-être que les gens seront apportés à en faire des WebSDR. C'est vrai qu'on ne peut pas tout s'initier à faire ça. Moi je dis que c'est un plus. Moi je ne sais pas ce que Rémi en pense, je vais renvoyer le micro à Rémi après. Moi je dis que c'est un plus parce que moi je fais du DX, hein, tout le temps. Je suis pas un accro du DX comme certains, j'ai pas le matériel adéquat pour faire du DX comme j'en faisais il y a quelques années. Je peux lancer, j'écoute avec les verticales et j'écoute avec le WebSDR, je compare, je fais des comparaisons. Hein. Pour telle fréquence, j'entends du tel truc, j'écoute avec mon antenne, le côté j'écoute et puis ça sert. Non, c'est très utile. Ce que tu as fait, c'est très utile parce que moi j'en ai que des reports bien de mon côté, des OM qui ont arrêté la radio, qui veulent s'y remettre. J'ai un pote Jean-Marie qui est dans le nord de France qui a arrêté la radio, qui était un bureau que j'étais dans un groupe de DX, peut-être que ça va l'inciter à revenir. Et il y a plusieurs OM qui sont intéressés. Voilà, Rémi, retour au micro, je suis un peu long, excusez-moi, retour Rémi. Ok, merci pour le retour. Ludovic, alors le WebSDR qu'il y avait là sur la Côte d'Azur, si je ne me trompe pas, il est fermé. Hein. J'ai voulu y retourner plusieurs fois et à chaque fois là je suis tombé ben, sur porte close. Il était sur le gare. Voilà, il était à Alès sur le gare ou le Hall, enfin, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, j'ai toujours le lien là sous les yeux. Donc lui il est fermé. Tu en as un sur Paris, porte d'Italie. Attends, je suis en train de le rechercher. Il est pas loin. Oui voilà. Alors secteur porte d'Italie sur Paris, là tu es en WebSDR. Alors il n'est pas sur le même WebSDR que le tien, Ludovic. Hein. Je crois qu'il y a du côté du Massif Central, il me semble. Mais autrement, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Alors, ouais, voilà. Alors celui-là, il est où? Il est où? Ah oui, en Lozère. Voilà. C'est du côté de la Lozère là, qui est dans. Encore une fois que je vérifie là, s'il est toujours en action. Autrement,
c'est vrai que ça, ça manque. Hein. Non, je retombe à nouveau dans ce soir de la Lozère. Je suis sur le forum dans les sites internet. Alors là, il doit pas, si il m'en manque, il ne doit pas m'en manquer beaucoup. Hein. Que je redescends encore. Là, c'est où ça? Alors, non, c'est aux Pays-Bas. Là, c'est l'Espagne. Là, c'est à l'étranger. Il n'y en a pas des masses. Hein. C'est soit les gens ont, comme moi, un faible débit internet, et là évidemment c'est mort, ou alors ils préfèrent compter sur les autres pour le faire. Alors attends, j'y arrive sur la troisième page. Non, qu'est-ce que j'ai là? Non, c'est pas ça. Là c'est où ça? Non plus. Tu vois là, apparemment, il n'y aurait que 3 là qui seraient actifs. Hein. Ça fait pas épais, quoi. Alors, celui du 9603, que je le retrouve, hein. De la Lozère, je veux dire. Zut. Non, ça c'est l'Espagne. J'ai en dehors aussi. Que j'aille. Attends, ce qu'elle a aussi, quand je monopolise un petit peu. Chacun son tour. Achille. Alors là. J'entends parler derrière. Achille, 3 coups. Je relâche et j'arrive pas à le retrouver. Pourtant, je l'ai devant les yeux. Michael. Bonjour à Benji, à Stéphane, et après je sais pas si tu es derrière. Ok, Dodo, 73, opérateur David, ok, pas de problème, opérateur Stéphane, allez, au micro, en compagnie de Ludo, celui qui gère le web SDR, et Rémi qui est derrière, voilà. T'as vu les beaux chiffres, Ludo, mais je suis en train de, comme Rémi, en train de regarder sur internet là, par rapport au web SDR, il y a pas mal qui sont en place, mais bon, là, pas beaucoup d'actifs. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai loupé ce qu'on dit. Je vais dire un truc avec lui, mais j'ai bouffé la commission, c'est pas grave. Je renvoie un micro sur Ludo, est-ce que t'entends l'opérateur David Doudou, il s'appelle Doudou, sur Samagne, il est côté Samagne, Ostens, ok Ludo? Oui, pas de soucis, je connais bien Doudou. Sur le web SDR. Ok, voilà, c'est déjà mieux comme ça. Alors, celui de la Lozère, apparemment, il est déconnecté. Soit le gars il a arrêté, ou je sais pas, parce que là je viens de le lancer. Attends, voyons ça. J'ai l'impression. Non. Alors, il reste plus que 2 web SDR, apparemment. Celui qui est du côté de la porte d'Italie, là, dans ces coins-là, là, sur Paris, et celui de Bordeaux. Il va falloir aller aux news, là, sur un peu partout, là, pour relister ça. C'est dommage, hein, qu'il y en a qui lancent un truc, c'est très bien, c'est super, et puis au bout d'un moment, ils l'arrêtent. Ok Rémi, pour les impôts, ouais, c'est un peu décevant pour lui. Moi, personnellement, ouais, j'ai un contact
que j'avais quand... Ouh là, il y a longtemps. Il y a bien 15 ans en arrière, ou 10 ans, je dirais, il s'appelle Daniel, voilà. Et l'indicatif, je le dirais pas en fréquence, mais il est assez connu au niveau de la radio, mais sur Nice. Bon, il est sur Nice, je l'ai retrouvé, hein. je l'ai retrouvé sur Facebook. On est mon ami sur Facebook. Je sais que lui, c'est un intro de... Rémi, il connaît peut-être aussi, lui aussi, TeamSpeak, les serveurs TeamSpeak. À l'époque, on était connectés, moi, quand j'étais vice-président du club de Victor Lima, quand mon père a décidé. On était connectés sur les TeamSpeak, voilà, les TeamSpeak. Et lui, je servais beaucoup de ça. Daniel, il est âgé, maintenant, je ne sais pas s'il le fait encore. Mais je vais le contacter à l'occasion demain, pour savoir s'il a un serveur sur... parce que lui, je sais que tout ce qui est radio, il est équipé, il a ce qu'il faut à la maison. Peut-être qu'il a un relais WebSDR sur... je crois qu'il est sur Nice. Je veux pas dire de conneries, je crois que c'est sur Nice. Donc je vais le contacter pour savoir s'il a un WebSDR sur Nice, parce que je sais que lui, avant, il était assez accro à ça. Enfin, accro, mais bon, il aimait ça. On va rebalancer des fréquences radio sur le secteur où il était. Donc peut-être que lui, il a un WebSDR que je connais pas, on sait jamais. Tu fais penser à quelqu'un qui est aussi sur Nice, là qu'on a banni de tous les côtés. J'espère que c'est pas la même personne, H3 coup. Ah bah j'espère que non, hein. Si c'est lui non. Non ça m'étonnerait parce que lui quand même il avait un forum. Hein. Il était comme toi, il avait un forum aussi avant. Hein. Non mais il est pas. Non, celui-là dont je pense, là il est sur une autre plage de fréquence. Alors, entre le bon réglage du WebSDR qui est sur 150 Hz
sur dessus. Je bascule d'un seul coup sur, sur 50 Hz sur dessous. Assez, c'est gymnastique. T'inquiète pas, c'est pareil, moi. C'est pareil pour moi. Se décale encore un peu plus, comme tu dis, d'un poil de cul, parce que le poil de cul, s'il l'arrache pour le coup, il va nous prendre une voix aiguë. Non, il y a quelqu'un qui s'est décalé mais ça se trouve, c'est peut-être Doudou là qui a pas fait gaffe, qui a touché le décalage de fréquence. Eh bien justement, ça m'est déjà arrivé, toi, être devant le poste et puis involontairement, comme ça, tac, toucher le... Ah, ça y est, j'ai bouffé le nom. Le gros bouton et je me retrouvais sur la fréquence d'à côté. Sur la radio, malheureusement, il y en a beaucoup. Comme tout le monde, hein, moi j'ai connu ça, il y a